Ok, bon, alors, pourquoi il m'a dit d'aller là, hein ? Crédit, comment ça se passe ? C'est plus lent que prévu. On dirait que quelqu'un a retourné la terre d'un cimetière par ici. Pardon ? Quand tout est parti en couille en 27, les gens ont dû se ruer vers les escaliers. Il y a des cadavres partout. Il y a même des cousins à vous, Jensen. Vous voulez que je vous rapporte une petite pièce de rechange ? Non, mais je prendrai un nuage de lait et de sucre, si vous voulez bien. Ouais, intéressant ça. Bon, les mecs ils bougent et tout. Et que le prochain boulot soit très barbare. Allez, arrête de bouger là. J'ai un. Ah oui, j'ai une batterie. Utilisation. Ok. On va passer par en haut. On va essayer d'atteindre la cible de manière discrète. Si j'y arrive. C'est cool. Salut poteau. Salut poteau. Comme charitable. Bah oui, écoute, si je te dis moi. C'est pour le bien de la mission, hein, j'invente rien. J'invente rien, l'ami. Bloquer l'accès au hall. Qu'est-ce que c'est que ça? Si égoïne. Faux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, il y a des gens là-bas. Où vous en êtes? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur. Oh putain, il y a du monde là. Des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr. Bon, je pense que je peux l'avoir sans trop de soucis. Ah, c'est ça. Vous êtes perdus, les gars. Je vais tous vous endormir, moi, je te le dis, moi. Merde. Ok, plus que deux. On a un là. Il est où? Il est là. Vas-y. Que lui. Normalement, je devrais être à peu près bon. Il est où ce con? Il est là. Pourquoi je l'ai pas touché? Une blague. Ok. Il n'y en a plus qu'un ici. Hop. Il est où? Il est là. Te cache pas comme ça. Enfin. J'arrive. Petit. Bah alors. Bah alors. On peut faire de dos. Ah. Fuck. Ok, c'est bon. Il est où? Hop. Salut. Ce fut un plaisir. Il y en a encore un là-bas. J'ai presque plus de balles. Hop. Ok. Oh, y en a un là aussi. Pourquoi je l'ai pas vu? Salut. Salut. Tu m'as pas vu. Bon alors du coup, si je veux changer d'arme, hein, je fais comment moi? Bonne question ça. J'ai que ça comme arme. Ah oui d'accord. J'aurais pas dû utiliser toutes ces balles du coup. Que tout le monde m'écoute. Chang a piraté le signal radio des djinns. On vérifie notre connexion. On devrait entendre Singh d'une seconde à l'autre. Khalil. Quoi? D'où? Il me reste que deux balles. Mais what the? On est connecté. On reçoit bien. Bien. Mais c'est une blague! Je connecterai quand ça commencera. Fuck! Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Là, je l'ai eu aussi. Ah, mais je l'ai eu aussi, putain, mais. Comment t'aurais voulu que je sache, quoi? Merde, à la fin. Est-ce qu'il y a des gens? Oh, il y en a un là. Jensen, on est dans le hall. On prend position sur les terrasses. Vous en okay. êtes où? Je suis en chemin. Ouais, ben, accrouillez-vous.
Oui, bah j'arrive, c'est bon. L'écho ennemi va pas tarder, la tempête non plus. Vous avez désactivé l'amplificateur ? Négatif, je l'ai pas trouvé. J'espère pour vous que la couverture de Singh va rester intacte. Parce que sinon, c'est à moi que vous aurez affaire. Ok, gros. Ça passe, ça passe. J'arrive les gars, j'arrive, j'arrive. Désolé du retard. Faut que je craque ça. Oh putain de merde. Alors du coup, il faut que je fasse des endroits comme ça. Un peu au pif, hein, au final. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Vite, 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 vite. Vite. Hop, je vais y arriver. Je vais y arriver, gros. Je te fais confiance. Comment on fait pour se déplacer ? Ok, nickel. Nickel ! Bon, parfait. Ok, bah c'est bon. Je peux ouvrir maintenant. Et voilà. Ouf ! Je crois que j'ai réussi à temps. Pas sûr, mais je crois. Ici Jensen. Accès au dernier étage sécurisé. Les djinns poseront plus de problèmes à vous. Bien reçu. C'est pas trop tôt. Et les dur. Ok, on va passer à la deuxième partie de la mission. Dis-en. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, on tient la position, chef. On ouvre l'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la, tous les deux. Moi j'ai plus de balles. Je pense que ça va être un problème assez rapidement, pour ma vie. Tout le monde sur le coup, messieurs. Singh à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. La cible est dans la zone. N'oubliez en fait, pas, un sniper ne m'a servi complètement à rien. J'aurais pu très bien prendre une arme de poing, ça aurait été pareil. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt Dame Nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Très exotique. C'est les armes ? Du matos. Ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric qu'on puisse... Oh, putain ! What the fuck ? C'est pas prévu ça, non ? On n'est pas tout seul ! J'ai peur des morts ! Quoi ? Qui l'a tué ? Dites-moi ce qui se passe en bas ! Miller ! C'est pas les djinns. Je répète, c'est pas les djinns. Ah ouais. Ouvrez le feu, ouvrez le feu. On engage, ouvrez le feu. Mais j'ai pris que des armes pas létales, moi. Vous les avez. Négatif. Comment je vais faire ? De tous les côtés, là. Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen. Ah, moi je veux bien, mais... Je m'en occupe. Comment je vais faire ça ? Explique. J'aime neutralise. Pas ça. Il se rapproche. Et comment je vais faire? Il faut que je... Arrêtez l'hélico. Bah, je veux bien moi mais comment je fais? Jensen, grâce à la tempête de sable on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Ok, j'y vais. Genre direct comme ça, là 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 là. Salut, vous m'avez pas vu, là là là. Comment je fais maintenant? Hein? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je fais là, hein? Hein? Ah ben, je sais pas. Voilà. Je cours autour de l'hélicoptère sans savoir quoi faire. C'est génial, ma vie. Arrêtez l'hélico. Mystère missionnaire portant des masques. Je dois empêcher l'hélico de partir avant que la situation dégénère. Ben, je veux bien, moi, mais comment je fais? Mission Typhoon. Ouais, mais c'est chiant là. C'est chiant, je sais pas comment faire. Hein. Si là. Ouvrir la trappe. Batterie. Hop. Miller, ok. L'hélico est à terre. Je répète. Jensen. Hey, salut. Y a pas de quoi le câbler. Ok. C'est plus simple que prévu. Je dois courir jusqu'à l'hélico.
What the fuck? Ah oui, ça y est, la tempête commence à un peu tout péter, quoi. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Des yeux artificiels jusqu'aux prothèses. Ordinateur de taille moléculaire. Une évolution contrôlée par l'homme, ouverte à tous. Oh, je pense qu'il va me falloir un petit peu d'entraînement, hein, parce que je n'utilise sûrement que 1 ou 2% de la capacité de ce jeu. Et en même temps, c'est chaud, il y a beaucoup d'informations, je trouve. Enfin, je m'y ferai sûrement au fur et à mesure. Mais... Abuseo. Juste ils me mettent la pression, là, il faut faire vite et tout. Je sais pas, moi. Fuck. Est à la tête d'une liste grandissante de pays demandant le déplacement des citoyens volontaires. C'est un nouveau monde, Alain. On a peur des gens comme vous. Relogés dans des quartiers sûrs, sécurisés et poussés à fermer ses portes aujourd'hui. T'attendais sûrement pas à ce que ça finisse en 25. Non, c'est genre un scénario tout totalement fait, totalement créé, ou c'est tiré d'un livre ou d'un autre truc comme ça. Je trouve que c'est vachement poussé en fait. Enfin, j'ai pas souvent vu des jeux avec des scénarios, hein. C'est que ça. Il y en a, hein. Je dis pas le contraire, mais bon, voilà. En général, c'est tiré de quelque chose, quoi. Parce que là, si c'est créé de toutes pièces, c'est fort, quoi. C'est vraiment beau. C'est beau. Parce que j'aime bien tout ce qui est conspiration. Ça doit plus jamais se reproduire. Sympa. Combien nous coûtent les événements de Dubaï? Ils connaissaient les risques. Combien d'agents a-t-on perdu? Tous. La tempête n'a pas aidé. La mission est un succès. Clairement, vous calculez vos succès de façon généreuse. Cela étant, l'aspect erratique de l'attaque pourrait finalement jouer en notre faveur. Interpol sera longtemps perturbé, et sous nos conseils avisés, le public finira par changer d'avis. Après tout, nous sommes tous dans l'aventure jusqu'au bout. Ça ne changera pas. Vous croyez? Il faut que je vous rappelle à quel point on s'est éloigné de l'objectif. L'incident a provoqué un vrai schisme social. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Et la situation s'aggrave de jour en jour. On ne peut pas tolérer ça. Si on veut imposer notre vision, les éléments perturbateurs doivent disparaître. Nous sommes tous d'accord. Vous et moi. Mais je vous en prie, laissez-moi aller à New York évaluer la situation. Nous avons peut-être déjà les voies nécessaires au vote de la loi pour le retour à l'humain, messieurs. Très bien. Stanton, accompagnez-le. Il faudra peut-être passer par une pression financière et politique pour faire taire les opposants. Faites donc. Ils veulent. Elisabeth, je vous recontacte plus tard. Ça ne marchera pas, Lucius. Même avec l'argent de Dowd. Vous savez ce que Rand va trouver à New York? Des hommes faibles, impuissants. Et sans savoir ce que compte vraiment faire Nathaniel Brown. Bien sûr. C'est pour ça que nous poursuivons notre stratégie alternative. Vous parlez souvent beaucoup, Paige. C'est l'occasion de faire vos preuves. Tout est en place. On peut commencer à votre signal. Vos communications sont sécurisées, Bob. Ces temps-ci, Janus semble avoir des yeux partout. Son collectif mastodonte et lui... Janus ne posera pas de problème. Je me suis arrangé. Je crois que Janus, c'est un hacker. Dubaï a posé les bases. Maintenant, il faut attirer l'attention. Paige, activez la cellule dormante.
Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je ne comprends pas tout. Salut. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. On est où là? En Russie? Slovaquie? Tchétchénie? Bulgarie? Un truc en I? Ah, c'est où ça, Praha? Miller, c'est Jensen. Je viens juste d'arriver à la gare. Bien sûr. On débriefera quand vous serez là. Vous venez directement au bureau? À moins d'un problème à un poste de contrôle. Normalement, vos papiers sont en règle. Alors faites profil bas. Terminé. Je coupe. Ok, très bien. Est-ce que j'ai le droit d'avancer ou... Il avance tout seul. Oh, pardon, désolé. Oh putain, saleté de câblé. Vous pouvez pas regarder où... Attendez, madame, je vais vous aider. Câblé? Moi, il sait. Ah. Madame? Sérieusement? T'aurais préféré, ma puce. T'as eu mon message pour Dubaï? Ouais. Contente que t'ailles bien, Adam. Sans buscade, ça devait pas être beau. Ce qui est sûr, c'est qu'on a rien vu venir. C'est quoi ces trucs sur son visuel? Tu sais qui nous a attaqué? Je suis sûr que la Task Force va trouver quelque chose. Et que le collectif Mastodonte aura flairé une autre piste. C'est quand même bizarre, tu trouves pas? Qu'Interpol envoie ton équipe, celle de Prague, sur une mission à Dubaï. Miller a dit qu'il avait eu les infos à la dernière minute. Et qu'on était la seule équipe d'assaut disponible. Ouais, bah... Il monte. Ouais, de toute façon, il y a de la conspiration partout dans ce jeu. On va avoir confiance en personne. Le collectif suit de très près toutes les divisions de la Task Force depuis qu'on t'a infiltré. Ils ont une équipe à Oman. Ils auraient pu être sur place beaucoup plus vite qu'eux. Alors pourquoi nous? Aucune idée. Si la Task Force est une couverture des Illuminati, comme on pense, ça n'a pas de sens de l'envoyer dans la gueule de loup. Une petite seconde. À moins que ce soit pour faire un bout de témoin officiel. Tu veux mes papiers? Je t'ai pas remarqué. Tu sais que c'est pas mon genre. Ça va, ça va, on se casse. Je te jure que c'est de pire en pire ces derniers jours. Tout le monde regarde. C'est quoi ces vieux lags là? Ils ont peur que des augmentés comme nous se jettent à l'idée. Ça va finir par arriver. À force de traiter les gens comme des animaux, ils vont se comporter comme des animaux. Tu dis ça comme si on pouvait rien faire pour l'empêcher. J'ai déjà essayé il y a 2 ans. C'était pas très concluant. Alors quoi? Tu crois qu'on devrait laisser tomber? Qu'on laisse la haine et les préjugés prendre le dessus? Alors là, pas question. Je dis juste que pour combattre un ennemi, il faut le voir. Les hommes à l'origine de tout ça, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qu'on doit arrêter. Je croyais que tu le savais. Mais je le sais. Toi, moi, le collectif, on essaie tous de les arrêter. Ça veut pas dire qu'on doit fermer les yeux. Alors aide-moi à les trouver. Ouais, d'abord. Retournez dans la pièce. Ok, ok. Reste là. Bougez plus. Faites-moi voir vos papiers. Policier. Fais gaffe à toi, le capitaine. En tout cas, question de liberté, c'est pas trop ça encore. Je peux pas marcher, tout ce que je peux faire, c'est regarder autour de moi. Ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Je commence par une mission qui me paraît bien compliquée. Si t'as vu juste pour Dubaï, si les Illuminati avaient besoin de vous comme témoin, alors faut qu'on découvre pourquoi. Qui vous a donné l'ordre de vous mobiliser? C'est Miller. Mais ça venait sûrement de plus haut dans la chaîne. Ça veut pas dire qu'il est pas impliqué. Tu sais ce que c'est? Deux fois qu'il fait de mon service, lui. Le sous-réseau neural.
À la TF-29, les directeurs s'en servent pour planifier les opérations et parler en privé. C'est quoi ? Une puce espionne, un dispositif de mise sur écoute. Janus l'a conçu pour s'adapter à la carte mère du SRN. Ah, Janus, le mystérieux leader des pirates activistes. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Un jour, peut-être. Pour l'instant, concentre-toi sur Miller et trouve un moyen d'accéder à la carte mère du... Et voilà, c'est le bordel. C'est sûr, ça, hein. Qu'est-ce qui s'est passé un peu ? T'entends ça ? Je vais aller voir. Ok, sois prudent. Presque une heure du coup. Et j'ai dû jouer 20 minutes. C'est un peu perturbant, j'avouerai. Pas tout le temps comme ça, sinon ça devient un jeu narratif. Plus qu'un jeu. Plus qu'un jeu ou un RPG quoi. The Witcher 3 c'est un RPG, non ? C'est pas fou. Je sais que c'est un peu la même chose, mais. Vraiment pas. Ta mère est morte, chérie. No problemo. Quoi, le monde est pas très safe, hein. Putain. Ça explose de partout. ATH. C'est Adam. Hé, hey, c'est quoi cette voix ? Tu te sens bien ? J'ai un peu mal, mais ça va aller. Et toi ? Ok, Bali. Ouais, ça va. J'ai connu pire. Je sais pas trop quoi penser de ce merdier, et toi ? Écoute, Alex, mes systèmes déconnent un peu, alors... Faut que je vérifie tout ça. Mmh. Mais si tu veux qu'on se voit... Quoi ? Non, ça va aller. Prends plutôt soin de toi. J'ai une coriace. Appelle-moi quand tu seras de nouveau en état, d'accord ? On fait comme ça. À très bientôt. Ok. Bon, très bien. Ça va, tranquille, la piole, elle est sympa, quand même. Commode. Qu'est-ce qu'il y a dans la commode ? Des munitions. Bon, bah, très bien. Pourquoi pas ? Éléments à vendre. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là ? Pourquoi il a des cartes mères au milieu de son bureau et des montres, là ? Pour avoir des engrenages ? C'est quoi ça ? Processeur souche. Pièce détachée. Ok, pourquoi pas. Plus de crédit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Une salle de bain. Des analgésiques. Ah, des médocs. Utiliser la douche. Sérieux ? Pour de vrai ? Genre je vais me doucher. Bon, tu peux être sale déjà de base. Hein. Tu transpires même pas, je suis sûr. Bon, bah voilà, t'es propre, bravo. Fouiller les tiroirs. Ok, très bien. Bon, c'est bon, arrête. Ok, bon, pourquoi pas. Ouverture des volets. Livret numérique.
Dossier Interpol. Le collectif Mastodon voit le jour au début des années 2020 quand un pirate du nom d'Eli poste un message d'appel aux armes sur le Darknet. Rempli de fautes de grammaire et d'orthographe, il invite les mécontents de l'emprise dans 1% des 1% les plus riches sur notre monde à se joindre à lui afin de passer à l'attaque et de dévoiler et ruiner leur plan. Chaud. Au moins, fait la une pour la première fois en 2025 en piratant les processeurs atmosphériques utilisés par un seul artiste météo parisien pour générer des bourrasques et saboter un événement parrainé par Page Industries. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une bourrasque prévue à Dubaï par hasard, hein ? À peu près à la même époque, Ellie est replacée en ligne par un autre pseudonyme, Janus. Les efforts en vue de déterminer l'identité réelle de l'un comme de l'autre sont jusqu'à ce jour demeurés vains. Ça veut dire que Janus est derrière Dubaï, je pense, quelque part. Il y a des traîtres partout, moi j'ai pas confiance. Soit les actions de Janus au cosmique gagnent en efficacité, poussant à la faillite des sociétés aux fortunes colossales, révélant les méfaits des gouvernements et plus généralement pourrissant l'existence des très riches. Les agences antiterroristes du monde entier s'inquiètent beaucoup du recrutement par les collectifs d'un certain nombre d'agents, expérimentés, souvent experts en opérations clandestines. Pseudonyme Janus, les efforts en vue de déterminer l'identité réelle de l'un comme de l'autre sont jusqu'à ce jour demeurés vains. Sous la direction de Janus, le collectif gagne en efficacité, poussant à la faillite des sociétés aux fortunes colossales. Mais ça, c'est légitime. J'ai déjà dit ça, gros. Bonjour, Adam. Plus de crédit. Vous avez un nouveau message. Deux. Yo. David Sarif. Ah, Sarif. Adam, c'est David. Je sais que ça fait longtemps, mais après ce qui s'est passé à Prague hier... Écoutez, j'ignore pour quelle raison vous ne m'avez pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Mais la vie est courte. Je vais bientôt partir pour Londres. Mais appelez-moi. Son numéro est sauvegardé ? Oui, Adam. Allumez votre téléviseur. Allumez votre téléviseur. Faisons comme ça. Appelez Sarif. Vas-y, on va appeler Sarif. Adam ! Merci de m'avoir rappelé. Sarif. J'ai appelé pour l'attentat à Prague. Tous les médias en parlent. Des amis à vous ont été blessés. Vous me connaissez, je reste plutôt dans mon coin. Je m'attendais à ce que vous me trouviez ici. Interpol m'a appelé quand vous avez postulé chez eux. Ils font toujours une enquête de moralité. Je vous ai chaudement recommandé. Merci. Vous voulez quoi ? Ce que je veux ! Bon sang, Adam ! Je sais bien que j'ai pas toujours été exemplaire, mais... Il s'est passé tellement de choses depuis 2 ans, pour vous comme pour moi. Ouais, vas-y, on le provoque. Vous êtes quand même bien retombé sur vos pieds. Contrairement à beaucoup d'autres. J'ai eu de la chance. En attendant que les sauveteurs me trouvent, j'ai failli mourir à Panchaya. Et j'ai perdu beaucoup de temps ensuite à me remettre de mes blessures. Vous êtes rentré à Détroit, vous avez vu ce qui est arrivé à Sarif Industries. Ouais, j'ai vu ça. De loin. L'humanité avait peur de notre potentiel. Et ils s'en sont pris à nous. Ils ont fait éruption, volé ce qu'ils pouvaient et brûlé tout le reste. Les vautours de Taillon médical ont englouti les dernières miettes. Parfois, un rêve doit mourir pour qu'un autre renaisse de ses cendres. Vous avez des nouvelles de Megan ? Après toutes ces épreuves, je pensais qu'elle me soutiendrait. Mais vous le savez, elle a toujours voulu être au plus haut niveau. Elle ne se voyait pas d'avenir à Détroit, alors elle est entrée chez VersaLife. Elle est à Hong Kong ? San Francisco. VersaLife. Ils ont un centre de recherche offshore là-bas, Rocaseca Beach. Vous avez dû en entendre parler. En Californie. Je me demande si elle a prévenu sa mère. Vous voulez un bon conseil ? Oubliez-la. Parce que je suis prêt à parier qu'elle vous a rayé de sa vie. Ok, bon. Votre message parle d'un voyage à Londres, en vacances, ou bien c'est lié à votre nouveau rêve ? J'ai rendez-vous avec le groupe Santo, Nathaniel Brown et ses investisseurs. Santo ? Ils ont construit Utulek, le ghetto des augmentés, ici à Prague. Pourquoi vous devez les voir ? Brown a de grands projets. Il veut proposer de vraies solutions, des idées tournées vers l'avenir. Vous avez entendu parler du projet Refuge ? J'ai entendu parler de Rabia, la ville forteresse que sa société construit dans le désert pour les augmenter. Rabia n'est qu'une étape. Nous parlons d'arcologie autosuffisante, à haut rendement énergétique, qu'on pourra reproduire partout. Des villes bâties par les augmentés, pour les augmenter. Pour perpétuer le rêve d'une évolution contrôlée par l'homme. Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, Adam. Mais un jour, les gens oublieront l'incident. Et ce jour-là, nous serons prêts.
Ouais, mais Je suis content de vous voir, Adam. J'ai toujours plus tu divises, plus ça te divise, non? Vous savez, avec l'attentat d'hier... C'est pas pour ça que vous m'appelez. Je vous écoute. Rien de grave, vraiment. J'ai juste besoin d'une signature pour pouvoir terminer mon dépôt de bilan. De ma signature? Je crois que votre mort temporaire a semé la confusion chez les bureaucrates. L'appartement de Détroit a été loué à votre nom, même s'il était payé par la société. Très bien. Envoyez-moi les papiers. Merci, Adam. Je vous remercie, vraiment. Au revoir, Sarif. Ok, bon. C'est un peu chelou tout ça. C'est un peu chelou tout ça. voilà. Je vais récupérer tout ce que je peux en récupérer, hein, de toute façon. Une vieille habitude. Toujours. Cuisinière. Pourquoi tu voudrais que j'allume les cuisinières? Comme si j'avais besoin de bouffer. Enfin, pas maintenant. Crédit, allumer la radio, bouilloire, four micro-ondes. Ouais, bon, on va quand même faire pas mal de trucs. Ok, bon, bah, c'est peut-être maintenant que ça va commencer vraiment le jeu, quoi, en soi.